Op heb jij driver's license, please. Exit the vehicle. I'm joking. Alors, Captain Jean-Michel, membre du syndicat des journalistes écrivains indépendants. Ici, nous sommes dans le jardin d'une commanderie templière. Vous voyez derrière, et volé par l'église catho. La plaisanterie d'avant. Ne vous inquiétez pas, ça vient ici. Bon, on va retourner au Moyen-Âge. Quoique, hein, au Moyen-Âge, qu'est-ce que vous croyez? Les agents du roi, les soldats du roi, ils se comportaient envers les Occitans et les Cathares de la même façon que la Gestapo aujourd'hui. Même encore pire. Au fond, on se braille. Les geôles, les arrestations, tout ça. Alors donc, ici, jardin d'une ancienne commanderie templière, donc, avec les arbres et tous les oliviers en forme d'énergie vortex qu'on voit partout. Voilà. Oui, ça c'est un rajouti, ça. Ah ouais, ça c'est un rajouti. Là, rajouti église catho, là. Ouais, on voit que c'est pas d'époque, ça. Hein. Non. C'est pas d'époque tout ça. Allez, on va aller voir là-bas si on a du vent. Et oui, il y a le vent. Heureusement, il n'y a pas de canis. Allez, on va faire un dernier appel pour le stage de juillet dans les lieux cathares. En avant. Allez, on va voir au portail là-bas. Portail d'époque de je ne sais pas trop. En avant. En avant. Ah ouais, chevalier. Et du creux d'avant et d'aujourd'hui. En avant. Voilà, portail mystique. Non, la porte mystique, je vous montrerai. Porte mystique des Cathares. Dans les sacrés, je vous montrerai. Ah, là-bas, tiens. Le bugarage d'OVNI, là. Ouais, regardez au fond, là. Ouais, c'est le bugarage d'OVNI, ça. Ouais. Écoutez, si ça vous branche, allez-y, hein, je m'en fous, moi. Moi, ça ne me branche pas. D'abord, tout ce qui se passe là-bas, c'est tout des contes de fées. Et puis, il y avait une base d'Orion pas loin. Et tout du fourbi là-bas, tout mélange. Aucun intérêt à mes yeux. Mais maintenant, si ça vous allume, allez-y. No problemo with me. Bon, voyons s'il y a trop de vent. Aussi, la petite chambre d'écho ici fonctionne. Si on entend quand même. Non, j'ai pas voulu trimballer tout le matos avec le micro et tout. Très courte vidéo pour rappeler le stage. Voilà. Important. Pourquoi? Parce qu'il faut que tout le monde se réveille en ce moment. Il faut mener la lumière là, sur la France et sur la planète. Hein? Il y a des gens qui sont toujours pour le vent, enfumés dans les nuages liquoreux, hein? Et sucrés artificiellement du New Age. Et puis il y a des forces de l'un qui se battent dans la rue. Alors il faut. Pour ramener tout ça ensemble, et nous on a un gros travail à faire, envoyer des fréquences de lumière sur tout ça. Et c'est ce qu'on va apprendre pendant le stage, en utilisant les symboles donnés aux Indiens d'Amérique par les frères des étoiles. Avec tous les nouveaux symboles à utiliser et les nouvelles lois spirituelles et universelles. J'ai déjà expliqué tous les symboles qui étaient utilisés avant, ils sont périmés, ils ont été interférés. Il n'y a que les runes qui sont restées bonnes, parce que notre déesse Freya, c'est une super top. Une copine à Athéna d'ailleurs, sûrement. Ah oui, des déesses, elles sont copines entre eux. Ben voilà. Et là, c'est bon, mais le reste, on oublie. Alors, on a des nouveaux symboles sacrés maintenant. Des nouvelles lettres de feu, si vous voulez, hein, encore. Et on va utiliser tout ça, parce que c'est nécessaire aujourd'hui. Allez, en vitesse à cause du vent. Donc, dernier appel pour le stage qui arrive là en juillet.
Vous pouvez arriver au dernier moment. C'est trop tard pour envoyer des inscriptions par la poste maintenant. Alors vous m'envoyez simplement un mail. Là. Et je vous donne le lieu et les précisions ainsi que les liens des vidéos de préparation pour venir. Dans les préparations, j'ai à peu près tout donné. Peut-être j'ai pas bien assez mentionné un paquet de sel de Guérande pour le nettoyage, parce qu'il faut toujours nettoyer les lieux sacrés quand on y va, parce qu'il y a toujours des infiltrations qui viennent faire n'importe quoi là-dedans. Et puis une grosse bougie là, qu'on trouve à 8 euros dans des magasins comme Jiffy, Farfouille, on utilise ça. Amenez vos cristaux parce que vous pourrez les poser sur le dolmen ou les cathares parfaits, poser le Graal. Hein, on fera ça. Voilà, c'est à peu près tout. Hein. Vous m'écrivez, vous aurez toutes les infos là-dessus. Ceux qui ne peuvent pas venir en juillet, qui viennent en septembre, ce n'est pas un problème parce que dans les deux stages, il y aura film, hein, du stage en vidéo bonne qualité, qui sera ensuite mis dispo en DVD. C'est-à-dire, ceux de septembre qui ne peuvent pas venir en juillet, vous pourrez avoir le DVD du mois de juillet, et vice-versa. Et ceux qui habitent trop loin, qui ne peuvent pas venir pour multiples raisons, eh ben, vous aurez les deux stages en DVD. DVD, ne mettrez pas sur Internet. C'est trop particulier, c'est trop précis, c'est trop personnel pour nous autres. On ne le met pas sur l'Internet où on est surveillé comme pas possible. C'est seulement en DVD qu'on regarde chez soi, offline, offline. Hein, on se met hors Internet, on regarde ça sur l'ordi ou sur la télé. D'accord? DVD, ils peuvent marcher sur la télé, en principe, sur les appareils. Bon, ben c'est à peu près tout ce que je voulais dire hein, pour vous dire que c'est le dernier moment, qu'il faut absolument le faire. On est dans une période très difficile, il faut absolument gagner. La lumière doit gagner. Hein. Tous les gens de lumière doivent se bouger, hein. Y compris ceux qui restent enfumés dans les vapeurs sucrées artificielles et liquoreuses du New Age. Il faut qu'ils se réveillent, ceux-là. Si vous connaissez, bottez-leur le cucu, hein, c'est pas possible. Et puis, il y a des forces du 1 qui se battent dans la rue aussi, hein, et qui sont bien tout seuls. Alors tout ça, il faut essayer de ramener tout ça ensemble, hein, dans l'unité, et puis d'aider tout ce monde-là. Hein. Et on peut les aider, nous, justement, en envoyant des fréquences avec le nouveau symbole galactique qui ont été donnés aux Indiens d'Amérique par des frères de l'espace. On va utiliser. Hein. Nouveau symbole, nouveau signe sacré. Hein. Parce que tout ce qui est d'avant, y compris les lettres de feu, y compris les lettres de feu, y compris les lettres de feu. Quels que soient ceux qui les donnent, en France ou en Amérique, quels que soient ceux qui les donnent, ces lettres de feu sont périmées. Pourquoi? Parce qu'elles ont été interférées par les basses hiérarchies. C'est tout mélangé. C'est pas safe. C'est pas sécurité d'utiliser tout ça. Et puis il n'y a plus l'énergie parce qu'elle a été enlevée. Ah, voilà. Il n'y a que les runes qui sont valables. Parce que notre déesse Freya, qui doit être une copine de la déesse Athéna de la Starcommande, elle a fait ce qu'il fallait qu'on n'interfère pas ces runes. Il n'y a que ça qui reste. Donc c'est pour ça que maintenant, on a les nouveaux symboles donnés aux Indiens d'Amérique. Par des extraterrestres de lumière, de notre confédération, Nation des Étoiles. Voilà. Alors ceux qui se sont appelés, on vous attend dans les sites Qatar. How, 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 get out. Triumphal,